Donc, on fait maintenant la suite du scénario. On va garder Twin de Crescent and Bus must reach the town of High Castle with the statesman Middle at the end of the scenario. Le best tata tata tata. Your set strongest hero ritual with you to the next scenario. OK. Donc, il faut maintenant battre les nécromanciens qu'on vient juste de mettre au pouvoir. Puis, c'est ça. Donc, là, c'est relativement simple. Vu que je vais garder mes héros, je vais garder ça comme bonus. Upon liberating Stedwick, my fears were confirmed. My father did not die of natural causes. He was poisoned. Investigations conducted by General Morgan Kendall prior to the war yielded no suspects. Now I learn the necromancers, seeking a military tactician equal to myself, have resurrected my father, King Griffinheart. After killing King Vilmar, he took command of their military and their throne. Now they come to us. They cannot stop the monster they have created. As a gesture of good faith, they send a messenger to speak only to me. He will tell me who killed my father. Find this hero and deliver him to me safely. L'histoire devient vraiment plus le fun, c'est cool. The necromancer and Nimbus a bear proof of who killed King Griffin Heart. What? He must reach our outpost safety, or we may never know the truth. Clear the road for him and get him to our castle. Ok. Je fais ça, mais quel des deux est le meilleur? Elle donne plus d'argent, donc ça sert pas à grand chose à monter niveau. Mais c'est prend elle qui va avoir le logistique. Ah, c'est. Ils l'ont donné à lui, genre? Ok. Ben, coup là. On va faire avec. On va échanger ça. Squelette lait, d'autres squelettes lait. Beaucoup de petits squelettes pas beaux. Okay, habituellement, je suis rapide à faire la town hall, mais là, exceptionnellement, vu que j'ai beaucoup de petits ennemis à battre, je vais. Accès à avoir le maximum de trucs qui tirent de loin, comme ça, ça devrait pas. On devrait avoir aucune difficulté à éliminer tout ça. Ouais. Ok. Juste un squelette devrait pas trop nuire au moral. La raison pourquoi il fallait l'upgrader tout de suite là. Ça rend le travail pas mal plus facile. Pas beaucoup d'expérience, mais on va quand même la prendre. Flapau. Lui.
Ok, là on fait de l'argent. Ah, ça c'est quelque chose que j'aurais dû faire bien longtemps. Je me demandais c'était quoi, je me rappelais plus. Ah oui. Down, down, down. Pas vraiment trop besoin de gosser, ça va être fait assez rapidement. Ok. Ah, oh, le chemin continue par là. J'avais même pas vu. Voilà, on va aller voir ce qui se passe par là-bas. Pendant qu'on développe de l'argent. Ah, c'était juste l'expérience, c'est pas très grave. Ça aurait été le fun, mais on peut très bien vivre ça. On continue à construire pour avoir plus d'argent. Évidemment, c'est pas trop menaçant. Le prochain va être meilleur. Ok. Lui, je le manquerai pas. Oh, j'ai un autre château juste en haut. Jour 5, j'ai peut-être le temps de me rendre. Surtout qu'il semble rien avoir dedans. Oh, wesh. Ah ouais, c'est ce château-là qui faisait ça. On va ramasser les affaires qui traînent. Puis ici, est-ce que j'ai un héros quand même cool? J'ai un héros undead, donc peut-être que j'en avoir besoin... pour matcher avec le château. Okay, ça va me ruiner au prochain tour. Il faut ramasser absolument de l'argent. Je me rends pas. Dommage. J'ai au moins 7000 piastres. Oh, le héros est là. Il va peut-être avoir le temps de se rendre à son château. Beaucoup de zombies, ça là.
On le bombarde. Nice. C'était ça. J'aurais voulu... Ah ok, au moins il n'y a pas de spell. Je sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas. Faut pas vraiment le savoir. Là je suis rendu au City Hall dans lui. Mais évidemment, j'ai pas l'argent. Qu'est-ce que j'achète? Acheter ma classe préférée, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, je fais combien? Ah, oh, je fais même pas 5 000 $, mais avec ça, on va être correct. Pas grand chose que je peux faire avec ça. Hey, c'est gratuit. Ça, c'est pris. C'est trop compliqué. Est-ce que je le construis dans l'autre? Est-ce que ça change quelque chose? Je pense pas. C'est juste que là, j'ai pas d'argent pour construire une bâtisse. C'est sûr qu'il l'a déjà ramassé. Un gars s'essaye. Ouais, c'est vrai, faut que j'achète l'autre affaire. Ça, ici. Au moins qu'ils produisent de l'argent. Ici, ben, finalement, on commence à développer. Ça a pris, malheureusement, on n'a pas pu avoir grand-chose de plus, là, mais... J'ai même pas regardé si elle avait de la magie. Elle a rien. Je suis mieux de prendre des niveaux de ce que j'ai compris. Où je reste aussi attentif aux héros qu'on peut acheter. C'est quand même 7 héros qu'on peut garder. Fait que si je peux avoir des héros qui donnent de l'argent ou. Malheureusement, j'ai rien de ça, là, mais ça aurait pu être payant. Ah, c'est que je cave.
vont peut-être se rendre eux autres? Même pas. Des squelettes pis des zombies, c'est pas ce qui est le plus fort pour en début de jeu quand t'en as pas beaucoup pis que c'est juste pour défendre quelque chose. Je vais faire la même chose avec lui. Ah, c'est bien trop vrai, j'ai même pas fini ça ici. Un petit peu de trafic ici, de congestion. Ben oui. C'est bon ça. C'est évité, ça c'est visité. Capitole. Je pourrais pas avoir les chevaliers à temps, malheureusement. Si je veux avoir les salopes pour pouvoir tirer de loin. Mais je peux avoir les anges. Ce qui est quand même pas mal cool. Une semaine. Elle peut peut-être avancer cochonnerie, elle. Là, on n'a pas d'argent. Hein? Parce que j'ai été assez brillant pour construire. Ah, wesh. J'aurais dû ramasser ça, j'ai pas pensé. On va attendre au moins une semaine. Pour se payer la base, comme on dit. D'après moi, il faut ramener le héros en haut à droite au château. Pas juste le sortir des affaires, mais je peux me tromper. Hein. J'ai complètement oublié de grader ces 9-là. Hein. Ça aurait pas changé grand-chose, hein, mais...
Ouais, ça va être quand même difficile. Ça, c'est cool. Excellent. Boost le héros au maximum. Ok, elle a ramassé ce qu'elle avait ramassé. Lui, il faut qu'elle aille chercher ça. Continue à booster juste ce château-là. Honnêtement, je pense pas que le reste en vaut la peine. Oh shit! Ouais, c'est quand même plus nombreux que tantôt, hein? J'espère avoir du bon moral. Ça commence bien côté moral. Oh wow! Vraiment bien. Excellent. C'est pas si pire. Considérant qu'on n'a pas plus grand chose à gagner ni perdre. Ok, elle monte dans combien de temps? En 2500. Il reste plus grand chose à éliminer, là, sauf des zombies. Puis peut-être des petits spirits. C'est pas assez pour monter le niveau. Enfin, je vais la faire passer là. Puis je vais utiliser un autre héros pour. La suite des choses. Nouveau héros, est-ce qu'on a quelque chose de meilleur? Malheureusement, pas partout. Quand même acheter des héros des fois que c'est gratuit pour l'autre mission, fait que c'est aussi bien d'en commencer avec 7 là. 1, 2, 3, 4, 5, il m'en reste 2 encore à acheter. Ok, elle a pu ramasser encore ce qui traîne. 2000 gold pour monter le niveau, c'est excellent. On ramasse un paquet de niaiseries. Ça, c'est visité. On va retourner au château voir.
spécialiste en logistique. C'est quand même cool, ça. On était à 5, hein? Fait que ça fait 6 avec lui. Il manque juste un à acheter. Un autre spécialiste en logistique. J'ai de la misère à le dire, mais ça explore plus vite grâce à ça. Hein? Comme ça, on aurait tous nos héros. T'es capable d'acheter tous nos bonhommes. On a malheureusement pas assez d'argent pour booster les anges. Mais on va faire avec. Parce que je pense pas qu'on ait besoin des anges boostés pour pouvoir faire quelque chose dans ce tableau-là. Il reste juste à éliminer des petites niaiseries. C'est mieux de finir par là. Je suis pas chanceux. Je ne vais pas prendre plus qu'un tour. Je ne devrais pas plus que prendre une sorte d'unité. Enfin. Qui traîne là. Je vais sauvegarder. Des fois que au moment que je le sors, c'est fini.
La première, il faut le ramener en ville. Fait qu'on va lui donner au moins tout ce qui traîne. Ça, c'est juste du gossage, évidemment. Lui semble avoir tout fait. On peut l'endormir. Fais ça. Pas fait ça, là. Là, il y a encore un peu de trafic, faut faire attention par qui passe où. Oh, il va plus vite que lui, hein. Lui dort, ça c'est en train de ramasser les choses. Excellent, on finit par l'avoir. Excellent. Là, lui, je pense que tout fait sauf. Oh. Il va falloir faire du ménage. J'en ai comme un trou, un héros. J'ai comme calculé 7, mais pas avec lui. Il y en a un que je me fous. C'est qui que je vais me foutre? Elle, je m'en fous. On va te coucher là-bas. On va arrêter de t'upgrader. Ça finit vite. As-tu d'autres dragonfly qui traînent?
Ça, les deux seuls. Ça, ça dort, ça, ça dort, ça, ça dort. Lui vient de ramasser ça. Techniquement, ramasser tout ce qui traîne à droite. Il faut juste aller chercher le dernier truc. Je crois que c'est le même scénario pour lui. Wesh. Encore plus wesh. Donc bientôt on va finir cette quête-là en maximisant ce que j'aurais pu obtenir avec ce qui traîne. Bon, ça a pris beaucoup de temps, mais... Deuxième scénario. The final step in the restoration of Eratia is to drive Wisebon. To win, you must capture all enemy town and castle to defeat all enemy heroes. At the end of the scenario, your sixth strongest hero will travel with you to the final scenario of this campaign, where they will be met by Lord Hart and Queen Catherine. Ok, bon. 35 grands ailes, 35 arènes, 35 griffons. Au début, c'est tellement cool les affaires qui tirent de loin. I grow weary of this war. So do the necromancers. We have agreed to cooperate in the destruction of King Griffinheart. I never thought I would fight alongside the necromancers, but today we forge weapons for both our armies. With their help, along with the forces from Bacata and Avalie, we should be able to repel all undead from Arathia. Never before Eratia's in four nations fighting under a single banner. Today we march against the army of undead with undead fighting by our side. As strange as it may seem, it's only a way to ensure victory against Deja. To be victorious, you must completely control this area. Good luck, we are counting on you. Okay. On a beaucoup d'héros, hein? Qui sont placés pas mal n'importe où. On va commencer par aller voir c'est quoi que je peux acheter. Bon, je peux déjà acheter la madame qui fait 350$ par jour. Fait qu'évidemment, je suis déjà au maximum. Ok. Mais elle, on l'aime pas. D'où c'est qu'elle vient? Elle est forte, fait qu'on l'aime. Mais elle a pas d'armée. Ça, c'est son château cool. Fait qu'on va essayer d'aller là.
Ouais, elle a finalement passé le test. Ah, ça c'est cool, il est à la bonne place, lui. Ok, on va faire quelque chose. On va rentrer ça là. Pour qu'elle, on puisse l'acheter. Pour que elle. Oh yeah, ok. Bon. J'ai besoin. C'est 2500$ hein, construire ça. 2500. C'est sûr qu'il faut accéder tout pour faire le maximum d'argent. C'est ça qui va nous avantager le maximum. Ça, c'est réglé. Tout est loin, hein? Ok. Là, il y a une chose, ça, par contre. C'est que j'ai comme pas trouvé de bois, là. J'ai pas de ressources, là. Ce qui était un peu de la merde. Ok. Quelle gang que je vais booster le plus? On dirait que lui est mieux placé. Je pourrais me tromper, là. Puis il n'est même pas sorti lui encore. Je vais améliorer ce château-là seulement.
Ensuite, si je fais juste ça, je trouve un moyen de faire de l'argent, de faire plus de ressources. C'est dégueulasse. Ça va être très très difficile d'essayer d'aller rapidement. Absolument, il y a des ballots de bois, des ressources qui traînent. Je peux utiliser ça à mon avantage. Là, il n'y a absolument rien qui traîne. Je vais aller chercher la roche qui est là-bas. Qu'est-ce que ça donne? Basic Armor, c'est quand même pas mauvais. Qui réussissent à se rendre là-bas. On va passer par là, t'as. Pas certain qu'il va se rendre quelque part, mais. Et ça a l'air gratuit, on va aller chercher. Du bois. Je me demande si. Ouais, je pense que je vais le faire. Je me fous un peu de perdre ces unités-là. Du bois là aussi, mais elle a pu rien faire. Ok, un paquet d'undead qui traîne. Honnêtement, je peux pas croire que je trouve pas plus de bois que ça. L'enfer. Je vois pas comment je peux gagner ça, honnêtement, là.
Okay. Wow. Ok. Ces spells-là ont été quand même pas mal utiles pour vrai. Mes gobelins auraient été, je pense, plus maganés que ça. Puis on a au moins un bout de plus. Bon. Malheureusement, ça me permet pas de construire tout de suite ce que j'ai besoin dans mon château que je veux développer, là, mais. J'ai seulement besoin d'un blacksmith. Oh my god, c'est dégueulasse. C'est pas moyen que je passe, hein? Fuck non. Je peux pas trader in non plus, je pense pas que ça vaut la peine. Si je vais acheter un de bois, ça coûte combien? 2 500 $. Pour la gloire, comme ils disent. Oh, wesh! Déjà. Oh, je suis pas prête pour rien, moi, là. I'm not ready for this. Peux-tu vivre avec ce château-là en moins? Parce qu'il est fort, là. Je peux rien faire contre ça. Là. C'est pas par là qu'on va passer, hein? Il a vraiment fait une grosse bataille cool. Ce qui va lui permettre de construire le City Hall! C'est pas tellement menaçant, je veux pas faire de peine à personne, là, mais...
Bon, ça c'est réglé. Je vais bouger par la fin, c'est plus le fun. Malheureusement, je peux pas faire grand chose de plus, hein. Tant que je fais pas plus de bois, ça va pas bien aller. Ok. Oh God. Pas trop sûr si j'ai bien fait de faire ça. Je pense que je vais le regretter. J'ai comme oublié qu'elle était pas bonne. Ça se prend bien, disons. Ok.
Le moral a aidé un petit peu. Honnêtement, genre, il aurait tellement dû avoir plus de bois que ça, puis de roche, c'est l'enfer. Je peux pas développer rien tant aussi longtemps que j'ai pas plus. Ouais, je peux pas passer par là, hein. Ok, j'ai du bois puis de la roche là. Elle est loin. Vraiment loin. J'aimerais bien ça aller attaquer ça puis réussir à le prendre, mais ça tient de l'impossible. Ça c'est cool, je peux l'acheter. Je pourrais réussir techniquement à développer quelque chose d'autre, peut-être. Tu pourrais juste s'en aller après, ce serait vraiment cool. C'est réglé. C'est pas du bois, mais c'est de la roche. On va lui donner les unités que j'ai. Ça va peut-être aider un petit peu. C'est lui plus round. Oupsie. On va aller chercher ça. Oh my god. Ok, on peut développer. Faire aussi une citadelle là, on va voir là. Il s'en va. Va-t'en pour de vrai là, ça serait vraiment vraiment le fun. Ok, bon, ben ça va être ça, hein. On va essayer d'aller se booster au maximum.
pas une fille pas loin qui peut ramasser ça, là. C'est de sauver un petit peu de terre. Okay. Je peux techniquement commencer là. Ça me dérange pas encore trop. Ok, on va aller ramasser les cochonneries qui traînent là. J'aime pas ça parce que je suis comme là dans le développement du château là. C'est pas comme si je voulais faire de la magie anyway. Hein. J'ai ramassé ce que je pouvais. Là, je suis rendu au... Faut que je retourne au château. Dommage, là on devrait pouvoir construire le City Hall. Ici on devrait pouvoir construire. On peut pas construire Castle. Construire ça, c'est pas grave. Évidemment, je peux rien faire dans le château des Undead. Il y a déjà quelqu'un qui fait rien. On est à côté, on va ramasser ça. Elle a cette heure. Et qu'elle est pas vite. L'enfer.
Bon. Alastair. Qu'est-ce qu'il faut? Un de rush. We're gonna get it. C'est pas comme si on pouvait pouvoir construire d'autres choses. Bon. Je dis ça, mais... Spécialiste en liche 3-3-4. 4-2-4-4. C'est pas mal pareil. Il est expert en logistique, par contre. Lui, il est basic. On va y aller avec celui en bas. Son spécial, c'est Eagle Eyes, qui est vraiment chier. Fait qu'on va aller avec celui qui est en bas. Même s'il est moins hot un petit peu en logistique. On va attendre la fin de la semaine prochaine. Elle, elle sert vraiment à rien. À perdre, ça me dérange pas. Fait qu'on va explorer un peu les terres. Ça me donne un petit bonus pour tout à l'heure. Elle adore. Elle, faut qu'elle attende l'autre semaine. On va y aller comme ça. Ok, lui, il est où exactement? Je vais aller chercher ça, là. Que je vais besoin, ça va être ça. Ça a du sens. Comme ça. On va essayer de le repousser par en haut. Ouais, là, ouais, ça va être mieux. Lui, à cette heure. On va ramasser le peu de vidange qu'il y a. Ouh. Finalement. Ça, c'est pas mal cool. J'ai pas de bois, fait que je peux rien construire. Même dans ce champ. Ah, je peux faire la baraque. Je peux faire le City Hall. Je peux construire plein de choses, finalement. Je vais faire le City Hall. Ça va me ralentir un petit peu, mais... Ouais. On va le subir. Parfait.
parfait, il passe par en bas comme je voulais. On va bientôt pouvoir faire un step pull, puis elle va pouvoir partir au prochain. C'est juste que ça coûte très cher en bois. Je pense que ça coûte 10 si mémoire est bonne. C'est à peu près temps. Des gems, c'est pas tant utile. Je vais aller checker comment ça coûte de bois. Là. C'est 10 que j'ai besoin au prochain. Je produis 8 de bois par jour. Je tombe à 16. Ça veut dire que je peux construire de quoi à 5. Idéalement en lien avec des unités. Hein. Sinon, c'est un peu poche. Bonne foutue question. Ouais. Ok, là ça a bougé là, hein? Non, ça a bougé quelque part ailleurs. Ici. Je veux pas tant de gems que ça. Cool. Où est-ce qu'il est parti, lui? Petit là. Il y a elle qui est juste à l'arrière, qui peut arriver et dire « Tiens, il a plein d'affaires cool! » Puis lui peut partir après lui. Elle continue son exploration ridicule. C'est une question de temps avant qu'elle se fasse rentrer dedans et qu'elle meure. Ce qui sera pas une grosse perte. Je vous l'annonce. Enfin. C'est parti pour elle. Elle adore. Ça ici. Je suis rendu au bout où je peux finalement faire le City Hall dans ce nécromancien, dans la nécropolis. Ouais. On va aller. Ok. Hey! Ça a duré plus longtemps que je l'aurais pu l'imaginer. Ouh! On va
faire perdre son counter. J'ai réussi à maximiser le dégât que je pouvais faire. Ok, lui il rattrape là. Pas ça derrière qui peut m'attaquer tout de suite. Fait que c'est juste la magie qu'il peut avoir. Il semble pas avoir de magie, ce qui est une bonne nouvelle. Je prendrai pas de chance. Il faut y faire à croire qu'il y a une chance. Ouais. Je pensais qu'en laissant les zombies, il allait croire qu'il y avait une chance. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour rentrer tout de suite une attaque? Je pense que ouais. S'en fout assez solidement, ça. Hein? Je vais plutôt aller chercher des affaires utiles. Là, ça, c'est pas mal plus utile là-bas. Là. Là, il faut essayer de faire le maximum d'unités possible. Oh, j'ai même pas ce qu'il faut faire ça. Bon, ça va pas bien. Ok, on voit du mouvement. Ok, excellent.
treasury va être beaucoup trop payante là. Puis ça me surprendrait qu'on puisse payer beaucoup de choses, mais non. Ok, mais lui il était pas bon, me semble. Puis j'ai un héros qui est quand même bon, pas loin. Fait que je m'en fous un peu. Bois, c'est important. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Non, ça vaut pas la peine. C'est ça qui était ça, hein? Je pense que je vais le rattraper, mais je suis pas sûr. Ah, ça serait cool de le trouver. Clairement quelque chose là. Chier, j'ai pas réussi à le pogner avant la fin de la semaine. Je vais faire la tour des mages. Ou ici. Le monastère. Ça va être le monastère. La tour des mages est prend plus possible. Attends, montre-moi ça encore là. C'est ici ça. Fait chier ça. Réussir à aller péter les liches qui sont là, mais je pourrais pas faire ça rapidement. Hein.
Oof. Oof. Ok, je me ruine, mais je veux avoir mes dragons. C'est ridicule de pas rien trouver, c'est fou. Évidemment, c'est juste ça, puis ça coûte ben trop cher de bois. Ok. Ils sont à deux places en ce moment. Les chances sont quand même bonnes là. Je crois. Je vais perdre beaucoup d'unités, mais je vais y voler son château dans le fond à gauche. Fait que... Quant à moi, je perds pas grand chose à faire ça. Là. C'est cool, on sauve les grands ailes. Oh non! Laisse la porte ouverte. Ça, c'est triste. Tout ça pour notre squelette. Hey! Je me suis rendu. Là, je vais attendre la fin de la semaine qui s'en vient. Je vais envoyer un autre héros. Ça va être qui l'autre héros? Ça va être lui l'autre héros. Ça dit qu'il va être là dans 4 tours, mais ça doit vraiment pas être bien plus que 4 tours. Vampire Lord. Pas mal ça qui est ça, hein? J'essaie de construire de quoi encore? Ça, c'est des upgrades. Comme
pas pressé de le faire, mais la citadelle, ça, ça presse. Ouais, on peut faire le training ground. De roche. C'est beaucoup de roche, ah! J'échangerais peut-être un petit peu de roche pour. Pas l'air de rester grand-chose ici, là. Je vais pouvoir le construire au prochain. Oh God. Quand même. On peut le faire. C'est comme trop payant de le faire tout de suite. Et que je me tire dans le pied pour mes dragons, ça, par contre. Hey, j'ai pas acheté ça encore. Je vais voir comment il va m'en manquer la semaine prochaine. Ce que j'aimerais faire avec elle, c'est d'aller tuer ça, mais... Je suis pas tant bonne, là. Terre, mais pas trop menaçant. Je risque de mourir assez vite. Je suis bientôt là, lui. Mach 11. De roche. Ce qui est quand même pas si pire. Ce qui est quand même beaucoup, tu sais, c'est cool pis pas cool. Ouais, je vais peut-être aller retourner au château. Essayer d'aller retourner au château.
Hey, j'en ai quand même fait pas mal, là. Pas trop ça débouche, là, mais... Pas j'aille trop loin, il y a quand même lui qui est pas loin. En trois tours, c'est long, man. Il faut 20 cristaux, ça va. 30 de roche, ça va pas. Il faut 11 de roche. Market. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yay! On a les dragons. Ok, la bonne nouvelle, c'est qu'il est pas bon par contre. Yeah. 15, 8. Il se restaure pas, lui, hein? Ah, il vient de se restaurer. J'aurais dû attaquer d'autres choses. Hey, on a eu un vampire, c'est bon. Lui, gosse pas tant que ça. Bon. Malgré tout, j'ai quand même juste 150 000 piastres, ce qui est pas tant que ça. Bon. Lui part pour la gloire, puis il va passer par ici. Si jamais il veut me rentrer dedans avec son héros tout de suite. Ok, il s'en va. Aussi Poirot. À vouloir venir. Je peux me défendre, je pense. Dans mon château sous-développé. Ça a dû être fait il y a plus longtemps que ça, mais coudonc. Je peux pas faire des miracles. Pas mal ça qui est ça, hein? Ça, je m'en fous un peu. C'est incroyable, j'ai vraiment rien dans ce château-là. Ok, qu'est-ce que je fais? Oh, on va aller tuer des affaires qui servent pas grand-chose. Lui, il fout la merde. Lui, on s'en fout. Ça, c'est cool. La
Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ah ouais, je suis loin plus vite que je pensais. J'ai pas bien joué. Ok. Il y a un château caché quelque part là-dedans. Je suis pas obligé d'attendre, ça va prendre trop de temps sinon. C'est la corne d'abondance qui va me donner pas mal d'argent si j'attends par contre. Je peux avoir une armée complètement boostée quand c'est fini.
Je vais attendre. Alors, qu'il est pas caché là. C'est que ça gosse. Oh God. God. C'est ce qu'ils font exprès. Ok, je vais peut-être être correct pour le prochain tour. Là. Avant qu'ils puissent se payer d'autres unités. Là.
sais pas si je vais être capable. Ok. Charge! Ouais. À part faire perdre des counter-attaques, ça sert pas grand chose. Il reste quand même juste 9 vampires. C'était le fun d'éviter ça, mais je vois pas comment j'aurais pu faire ça. Je vais même en manger un autre d'en face. C'est dégueulasse. Mais bon, le château est finalement à terre. Son objectif, ça va être de aller retourner au village. Ouais, c'est la fille qui était morte. Elle est vivante. Elle revient du. Oups, il faut que je booste toutes les affaires avant. Ça va coûter tellement cher. Hey, j'ai réussi. À cette heure. Il est fatigant, mais il prend 3 tours pour se rendre. S'il passe par à gauche, je suis foutu. S'il passe par ailleurs, je suis dans la crotte. Bon ben. On va aller chercher les gems. On va voir par où il va bouger. À cette heure, il y a un autre connard qui se promène ici, là. Ça c'est connard 1, ça c'est connard 2. Il est juste à droite. Ça, c'est connard trop loin. Oh my god, je déteste tellement quand ça fait ça. C'est un héros genre niveau 2. Pourquoi il est capable de faire ça? Ça va être la même chose avec lui. On va aller le coincer par l'autre bord. Avec l'héros le plus pauvre. Mais je suis sûr que c'est suffisant pour arrêter. Hein.
Que genre j'ai pas compris moi là. Ça c'est évolué, ok. Ça ça va là, ça on s'en fout. Ça c'est évolué. L65. Ok, là je me mélange vraiment solide. Ok, on recommence. Ça, ça va là. Les nains évolués sont ici, ça va là. Ça, ça va là-bas. Ça, c'est évolué, ça va ici. Unicorn. Pas évolué. Ça, c'est les unicornes de guerre sont là. Mais par l'avoir. Y a-t-il d'autres choses? Ça, c'est pas évolué, c'est pas évolué, c'est pas évolué, c'est pas évolué, c'est pas évolué. Bon. On va lui donner ça. Lui, il peut retourner ici. Son objectif, c'est d'aller voir l'autre château, puis je sais pas certain par où qu'il est le mieux de passer, par en haut ou par en bas. Je suis mieux de passer par ici. On va aller voir s'il y a de quoi là, puis... Évidemment, il passait par en bas. Ok, que lui a fait juste des niaiseries, je devrais être correct. Ouais. C'est une bonne chose. Ok. Je ne m'estimerai pas avec toi. Peut-être être sur les liches. Ça, évidemment, on le savait. Qu'elle allait faire le tour puis qu'elle allait faire gosser. On le coincera là juste attends qu'il se décide. Vraiment besoin de ressources. Là. Je veux juste aller tuer l'autre château qui était quelque part là. Là. On va rester ici. Toi et Aster. C'est pas mal ça. Je pense qu'on va essayer de passer pour se rendre au château à la droite là. Jour 5, je vais attendre encore un petit peu. Je peux pas aller rien faire, j'ai besoin de deux héros pour le coincer parce que je vais vraiment moins vite que lui. Fait qu'elle sert à rien, on va rester là.
Elle, elle sert à rien. Elle sert à rien. Ok, on regarde où ce qui bouge. Vers là, vers là, vers le bas. C'est l'enfer. Bon, il est parti où, lui? Excellent. Hey, il y avait un petit château caché là. Tant mieux. Ah, ça aurait été cool d'arriver juste avant. Bien sûr, c'est pas le cas. Bon, on va essayer à nouveau de le coincer. Tu veux. J'avais oublié d'améliorer ceux-là. Ah, oh, ça, c'est douche. Thank you.
ma réserve de Grand Elf commence à succomber. Oh oh, ça c'est cave. Ouf. Ouf. Pour vrai, j'ai pas bien joué à bouger mon dragon là. Je vais l'envoyer. Tuer ça en haut. Bon. Regardons à nouveau le dernier tour. Ça, ça fait ça, puis ça, ça fait ça. Puis lui, il se coince, puis ça, ça s'en va directement dans l'autre château. Faut que je me rende là comme le plus vite possible. Es-tu bon? Il est pas bon. Fait que c'est pas important. Faut que je trouve l'autre château à cette heure. Grand chose à faire avec lui. Chaque fois qu'il y avait une affaire ça, il y avait un château pas loin. Fait qu'il doit pas être trop loin. Puis ici, ben. Quarante-six vampires là, c'est vraiment beaucoup de vampires. Je pense pas que je peux gagner, sauf si je suis dans un château. C'est beaucoup trop de vampires. Wash, wash, wash.
avant que j'oublie, parce que ça a l'air que j'ai encore oublié. Flau Pau. Ah, il est là le château. Il y a juste un héros vraiment fort qui gosse là. Je peux aller chercher le château. Ça doit le coincer s'il arrive de quoi là. Wesh. J'attaque le château, mais c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Ça dépend comment que je veux faire ça. Si je veux booster mes héros avant la prochaine mission, il faudrait pas que je fasse ça. Oh god, qu'est-ce que je fais? Le problème, c'est que j'ai pas vraiment le goût de gosser.
Je vais sauvegarder sur backup, puis on va continuer même si j'ai pas toutes les spells, même si j'ai pas toutes ramassé les affaires pour booster mes héros. Là. J'ai comme pas vraiment le goût de gosser plus que ça. Là. Expert en Wisdom, elle vient d'acheter un livre, tu sais, ça, je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer de perdre ce combat-là. Je vais laisser le château, mais je vais me stationner devant, puis je vais essayer de booster tous mes héros, là. Ça vaut vraiment la peine, là. C'est chiant à faire, là, mais... Est-ce que je peux vraiment perdre ce combat-là? J'aurais pu tricher plus pour, bien sûr, éliminer mes unités. Mais... Ça veut dire que je commence pas bien. Je sais pas si je fais ça. Je suis sûr que je gagne pas contre 46 vampires. Il me semble que c'est vraiment fort, 46 vampires. Là. Je vais quand même réduire le maximum son nombre de vampires. Il peut ne pas gagner. Thank you.
Miséricorde, j'ai perdu mon château. Plein de nains. Donc là, on arrive au bout de poche où je vais juste essayer de booster mon héros au maximum. Les Nagas, c'est quand même très fort, là. J'ai comme pas trop réfléchi, là, mais... Puis elle a pas besoin d'expérience, pas en tout. Là. J'ai vraiment fait le con. Malgré que j'ai pas besoin d'unité, fait que je peux en perdre, là, mais...
Ouais, c'est plus ça qui va arriver. Oh, il y a du russe sur mon channel. Désolé, je peux pas comprendre le russe. Je sais qu'Heroes of Magic 3 est joué par beaucoup de Russes. Mais malheureusement, impossible de communiquer avec vous. Ah, c'est que je suis cave. J'ai comme oublié qu'il était plus rendu, bon. Ok, je vais sauvegarder puis je vais continuer plus tard. C'est assez là. Il reste juste du gossage, fait qu'on va pouvoir faire ça vite tout à l'heure. Donc sur ce, merci beaucoup de votre écoute. On va se redonner des nouvelles dans un prochain vidéo. Sur ce, merci beaucoup et au revoir.